Cet événement inspirera Henry Bayle, célèbre écrivain du 19e siècle, plus connu sous son nom de plume, Stendhal. Né en 1783 à Grenoble, il subit une éducation rigide qui le pousse à s'engager dans l'armée. Sa carrière et son goût pour l'aventure l'emmènent régulièrement en mission à l'étranger, sur les pas de Napoléon. De retour à Paris en 1821, il fréquente de nombreux salons romantiques. Et en 1830, il publie une de ses œuvres maîtresses, Le Rouge et le Noir. Ce roman relate la jeunesse de Julien Sorel, un beau jeune homme d'origine modeste, dont l'intelligence et l'ambition vont lui permettre de s'élever rapidement dans la société. Pris en sympathie par le curé du petit village du Jura, il devient le précepteur des enfants de Madame de Rênal, femme de la bourgeoisie séduisante mais inaccessible. Il la séduit par défi et se prend à son propre jeu en tombant amoureux. Malheureusement, le mari apprend cette liaison adultère et Julien est contraint de partir au séminaire. Cette éducation lui ouvre les portes de la haute société parisienne, où il s'installe en tant que secrétaire du marquis de La Mole. Là, il lie une nouvelle relation avec la fille du marquis, ce qui va rendre sa position intenable et précipiter les événements tragiques qui suivront. Déchiré entre ambition et sentiment, Julien est l'anti-héros romantique par excellence. Malgré son caractère calculateur et idéaliste, son attirance pour les